certains secrets ne devraient pas être dévoilés. Le samedi 4 mars, le prince Harry a participé à un échange diffusé sur Zoom avec le docteur Gabor Maté, spécialiste en traumatismes liés à l'enfance. Durant cette interview, le fils cadet du roi Charles III s'est livré sans filtre sur sa consommation de drogue de son adolescence jusqu'à sa rencontre avec son épouse Meghan Markle. Le petit frère du prince William a assuré que le cannabis l'a aidé à se sentir détendu et léger et à surmonter ses périodes de mélancolie, reliées au décès de sa mère. Des aveux qui pourraient jouer en sa défaveur, comme l'a révélé le journaliste britannique Piers Morgan dans son émission diffusée sur Top Télévision, ce mardi 7 mars. Le présentateur a révélé que les responsables de l'immigration ne voient pas d'un bon œil la consommation de drogue par les citoyens non-américains. Par conséquent, la présence du duc de Sussex sur le sol américain pourrait être reconsidérée par les autorités. En effet, le père de Lily Bay Archie pourrait se voir refuser son entrée aux États-Unis ou la révocation de son visa. Une décision qui est loin de mettre en joie le présentateur du Piers Morgan Uncensored, une autre raison impérieuse pour laquelle nous ne voulons pas d'eux au couronnement du roi, nous pourrions finir par être coincés avec eux pour de bon, a-t-il conclu avec son humour pince sans rire. Supérieur à Prince Harry, retour sur son évolution physique. Prince Harry et Meghan Markle sommet de quitter les États-Unis. Si Piers Morgan n'est pas favorable à retour du duc et de la duchesse de Sussex sur le sol britannique, il en est tout autre pour les Américains. En effet, le couple ne semble plus être le bienvenu sur leur terre d'accueil. En effet, certains journalistes locaux pensent que Meghan et Harry feraient mieux de retourner en Grande-Bretagne. Je vais vous dire quelque chose de désagréable, ici, aux États-Unis, la rumeur veut que Harry et Meghan se contentent de s'excuser et de retourner s'installer au Royaume-Uni. Si est-il vraiment ce qui se murmure ici en Amérique? A révélé l'experte royale américaine Kinsey Schofield dans le podcast The Tudy for Daily en janvier dernier. Et d'ajouter, ils ne servent à rien, et je pense que ce que l'on appréciait chez eux était leur lien avec la famille royale britannique. Donc s'ils veulent continuer à valoir quelque chose ici, je pense qu'il faut qu'ils se rapprochent de la famille royale. Entre leur expulsion de Frogmore Cottage et les relations tendues avec les autres membres de la famille royale, Harry et Meghan ne risquent pas de faire leur retour au Royaume-Uni de sitôt. Crédit photo, JLPPA.